Le roi des Belges Philippe et son épouse Mathilde sont allés saluer les policiers du commissariat de Charleroi, dont deux de leurs collègues ont été victimes samedi d'une attaque à la machette. Le roi et la reine étaient accompagnés du ministre de l'Intérieur et avaient un peu plus tôt rendu visite aux deux policières encore hospitalisées. L'attentat a été perpétré par un Algérien de 33 ans. L'homme a été tué par une troisième policière qui est parvenue à éviter un drame d'une plus grande ampleur. Environ 250 policiers belges ont marché devant le commissariat de Charleroi pour rendre hommage à leurs trois collègues impliqués dans l'attentat. Ici, on ne parle pas de revendication, on parle d'un soutien aux collègues, montrer qu'on est toujours unis, que la police reste une grande famille et que coûte que coûte, on reste à leur côté, qu'on reste vraiment unis dans les bons moments comme dans les moments tragiques comme celui-ci. L'État islamique a revendiqué l'attaque à la machette de Charleroi. L'agresseur était connu des services de police pour des infractions de droit commun, mais pas pour des faits de terrorisme. Il résidait en Belgique depuis 2012 et avait déjà fait l'objet de deux ordres de quitter le territoire.